départ. On demande le vert. Attention. Ici pour la poursuite, le vert. Allez, sur ça. Allez, c'était là-bas. Ouf, 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 ouf. Hey, Sam, Sébastien Monnet et Bruno Calbris. Et là, on a fait un mix dans les clubs. C'est-à-dire que le premier, c'est un pilote de la CJ 49. Le deuxième, c'est un Meca 72. Et le troisième, c'est un Assam 53. Ben voilà, on va arriver à en faire des croquants partout. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. Les problèmes sont toujours là. On vient de changer. C'est le 300 qui est passé en tête, qui tient devant le 173 et le 3. On a juste inversé qu'une place, c'est-à-dire on a échangé la 1 et la 2. Mais la 3 reste 3. Et comme on l'a vu tout au long de cette journée, eh bien, les difficultés peuvent survenir à n'importe quel moment et des surprises aussi peuvent arriver. Une petite erreur mécanique, une petite erreur de conduite, un petit problème mécanique et paf, un classement que l'on croyait fait se trouve complètement renversé. Plus on va aller vers la finale, vers les grandes finales, et bien plus on va monter dans la puissance des véhicules. Donc là, c'est vraiment les pilotes qui vont vraiment faire la différence, parce que si peu qu'on touche à la pédale, là maintenant la voiture elle va répondre. Alors donc automatiquement, c'est plus comme les petites cylindrées qu'on a vu tout à l'heure. Là la voiture, il va falloir qu'elle gagne. Donc si le pilote tient pas bien le manche, ça va coincer quelque part. Thank you.